pars, tu vas bosser. À LPA, c'est bon, il y a plus de canaux assurés, plus rien, plus de majeur. Une fois, je me rappelle, je m'arrête à Saint-Isidore. Il y avait la douane, putain de vieux gendarme, putain de tête de con. Le mec, je le regarde, j'y fais. J'avais mon vieux J5. Il était potable, mais bon, les pneus police, mais il était potable. Le mec, tu sentais que c'était le connard, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Moi, j'arrive, je paye au péage, il était là, tu sais. Moi, je le regarde, j'y fais. Bonjour, chef, ça va? Juste ça. Le mec, il me regarde, il me dit. Tu veux savoir si ça va? Comme ça. Il me dit, tiens, va te garer là. Malheur! À Saint-Isidore, 5h du soir, j'ai rentré du boulot. Le mec, il me fait, tu veux savoir si ça va? Comme ça. Il a pas pris. Là, je te vois, t'as 3 ans. Il me gare, il nous a tout mis. Il nous a dit, vous avez le pot de vis, il nous a fait sortir le cric avec le camion. Ah bon? Démonte le cric, on avait le camion. Je m'en marqué. À porter les vitres pour changer la roue. Pas bien. Le mec, il voulait plus nous laisser partir. Et après, le gars, j'étais avec mon pote Délé, le mec commence à me faire oui. Bah, j'ai dit quand même, j'ai dit, tu sais, je commence à parler, tu sais, j'ai dit, quand même, faut savoir être raisonnable un peu, tu sais, tu vois, je veux dire. Ça va, tu vas pas. Le mec, il nous a mis la totale. Il m'a dit, monsieur, voilà, il me fait, monsieur, vous avez été incorrect avec moi. Et j'ai dit, mais vous l'avez mal pris. J'ai dit, moi, je vous ai demandé si ça allait. Tu vois, mais t'imagines le mec. Et après, il s'en est un petit peu voulu, le gars. Tu vois, il est connard. Imagine le mec comme ça, il rentre chez lui avec sa femme et ses gosses. Hein. Pourtant, ça, c'est des types, ils ont pas de femme ni de gosses. Hein. Ah ouais, le mec, je me rappellerai toujours. Hein. Le mec, je regarde, il fait, ça va? Donc il m'a regardé, il me fait, tu veux savoir si ça va? Il me fait, tiens, garde-toi là. La copa. On avait un feu qui merdait, il nous a mis éclairage, bonne lisse, 1300 francs à l'époque de PV, comme ça, en 2 minutes. Et il m'a dit, vous avez de la chance que je vous laisse partir. La liste que j'avais, moi. Imagine le salon. Ouais, là, tu fais pas... Je vais me rouler de toi, tiens. Tu peux le faire? Vas-y, fais. Avec un peu de tabac, c'est bon pour la santé. Ça fait les yeux bleus. Ah ouais, mais t'as les feuilles, elles sont... t'en as plus. Toutes feuilles de tabac. Une feuille de tabac qui roule dans ma main. Oui, c'est l'amour. Mais t'as pas des filtres, Feg? Ça devrait... Non, j'en ai plus. Faut découper le carton. Oh, tu sais où c'est qu'il y a des filtres pas chers bio et tout? Tu vas sur la République, Feg. Feg, t'as un magasin, c'est tout à 2 euros. Je sais. Eh ben, t'as un gros paquet de filtres comme ça, bio, tu sais, machin, 2 euros. Mais c'est plus que 150 filtres, hein, c'est un gros paquet. Un gros paquet. Super bien. C'est super bon, bio. Comment ça, on se fait un repas, là? Bon. Super bien. Super bien. Un petit repas. L'acido. Avec ma Zola. Zola, ça fait 2 jours. Tu passes les jours de la semaine Est-ce que t'as un gros con puteur? Imagine le truc. Je dis pas être un gros con. Le mec, il te met le bulldozer de trust dans la gueule. Ça n'empêche pas de vivre et d'être un gros con. Ils m'ont fait le camion à Coluche, que je te dis. Alors, la merde. Un gros porc bien sale, bien gras. Avec les cheveux bien huileux. Ouais. Changer les draps de l'hôtel. Les draps sous les poubelles. Yeah. Il y avait même pas de pot de confiture sur le merdier. Carrément que dalle. C'est pas de la gueule de Francis Cabrel. Ouais. Ouais, mais... Il y a tout de suite. Moi j'étais là. Là il marche plus. Marche plus. Mais oui, il est toujours pas allumé. Oh non.